J'ai deux problèmes dans la vie, le langage et la peinture. Mais le langage, c'est parce que j'ai changé de langue quand j'étais petit. Et la peinture, c'est parce que dans le salon familial, il y avait un tableau peint par son oncle. Et on s'est toujours demandé s'il n'y avait pas quelque chose, parce que c'était un tableau qui représentait la jeune fille et la mort. Et le squelette était un squelette banal, mais la jeune fille ressemblait très très fort à ma mère. Ça va comme ça, c'est bien parti. Le plus chiant, c'était quand même le changement de langue. Avec quel âge? Ben, j'avais 5 ans. Et tu t'es retrouvé dans une école francophone? Ben, c'était. Jusqu'à. J'avais un grand-père qui était militant flamand pendant la guerre et qui a fait 2 ou 3 mois de prison après. Et c'est pour ça que moi je suis né près de la prison de Chemin. Et quand il est sorti de la prison, il est venu habiter chez nous. Et quand moi j'ai eu 5 ans, là je devais aller avec eux, il est parti de la maison. Il est parti. Et du coup, la famille s'est mise à parler le français. Et alors j'étais muet pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je sache dire une phrase correcte en français. Et j'en ai gardé un naturel assez taisé. Mes parents voulaient oublier tout ça et donner aux enfants un nouveau départ dans la vie, changer de camp. Bon, le frère de ma mère, mon oncle, est parti à 17 ans en France de l'Est. Ils étaient membres du VRV. Et après, quand mon grand-père a quitté la maison, il a participé à la refondation de la Rock Uni. Et alors ce soir-là que les ponts ont été coupés, parce que je n'ai plus vu mon grand-père. Et toute cette histoire nous est. On a su toute cette histoire bien, bien des années plus tard. Et pas par les principaux intéressés, mais par leur tante, etc. Petit à petit, on a pu reconstituer tout ça, mais nous, on ne nous a rien dit du tout. Ce qui m'intéressait le plus, c'était la philosophie. Je me souviens que quand j'étais gamin, on habitait un appartement avec une terrasse. Et la terrasse était parlée, bordée. De tuyaux en aluminium ou en zinc, je ne sais pas, tous identiques. Et je me souviens que j'ai passé des heures et des heures devant ces barreaux en me demandant en quoi ils étaient identiques et en quoi ils étaient différents. Parce qu'ils avaient reçu plusieurs couches de peinture, donc il y avait des endroits où ça avait un peu coulé. Et donc je dis celui-là n'est pas le même. Pourtant, c'est le même barreau, enfin, des questions à n'en plus finir. Ou bien, est-ce qu'il est possible de faire une description d'un objet suffisamment précise pour que la personne qui lit le texte ne puisse pas s'imaginer un autre objet que celui qui est devant toi, tu vois? Après, j'ai laissé tomber.
sur la peinture. C'est que les philosophes écrivent sur la peinture. Et je me suis aperçu qu'ils font montre d'un laxisme épouvantable dans le choix de leur vocabulaire. Parce que pour les philosophes, un tableau, une image, une peinture, tout ça c'est la même chose. Et c'est insupportable pour un peintre d'utiliser. Et par exemple, il y en a un certain, qui l'aime bien, Zemak, c'est un philosophe qui a écrit sa peinture et qui fait partie d'une école extrémiste comme ça, qui dit que la ronde de nuit de Rembrandt qui figure sur les boîtes à cigares, c'est la ronde de nuit de Rembrandt. Donc aussi, tout l'être de la chose était dans l'image. Et c'est quand un peintre dit ça, il le trouve ça rigolo, mais il n'y croit pas une minute, évidemment. Et c'est plein de... Il y a plein de choses comme ça. Et que, en fait, le seul, le seul livre qui m'a bien plu sur la peinture, c'est le livre d'un philosophe thomiste, Étienne Gilson, qui a écrit un livre remarquable sur la peinture. Oui, oui, justement, il fait des distinguos comme ça, où il dit, il parle de l'être matériel, il fait une différence entre l'être matériel et l'être esthétique d'une œuvre d'art. Mais si tu fais la différence entre l'être matériel et l'être esthétique, ça veut dire toute la phénoménologie de l'art, c'est de la couille. Il y a une courte période où j'ai pensé que j'étais poète. Et j'avais apporté le poème à Marcel Borters, qui lui a fait lire à son ami Marcel Lecomte. Et Marcel Lecomte, il avait pointé deux vers. Regardez, un paquet de feuilles. De verre et il dit tout le reste, tu peux le foutre au bac. et il avait raison. Il avait raison, alors j'ai gardé deux verres. Tu t'en souviens? Oui. Oui, c'est quoi? Notre âme en chantier n'a pas fini de reconnaître le visage des pillards. Et la pluie efface le nom des saints à mesure que j'écris le calendrier. Et après, Rotterdam avait fait un happening chez lui. Et moi, je me tenais à l'entrée de la maison. Et chaque fois qu'il y avait un couple, un homme et une femme qui rentraient, je devais susurrer ces deux vers dans l'oreille de la femme. C'est une idée magnifique. Il n'y a pas eu de trace de ça? Non, c'est drôle parce que maintenant, avec le catalogue du Bill, c'est parce que j'ai fait deux ou trois happenings dans les années 60 et on n'a aucune trace. On ne se sentait pas des archivistes à l'époque. Maintenant, l'archive est faite avant le... Oui. Ce qui est un culotté. Tandis qu'à l'époque, on n'a pas... Enfin, oui, il y a peut-être des gens qui étaient là par hasard, qui avaient des photos ou quoi, mais on n'a pas aucun document. Et vous n'avez jamais eu envie de mettre vos deux vers sur une toile?
depuis le début, je me suis dit, parce que je me posais des questions, quoi faire et tout ça, des questions qu'on se pose. Mais moi, j'ai aussi dit, en paraphrasant quelqu'un que je connais, pas n'importe quoi sans avoir peur de plein de conneries. Et c'est devenu ma devise depuis lors. Mais quand j'habitais à Anvers, il y avait un ami qui était momentanément SDF. Et il logeait dans l'atelier. Et même quand j'arrivais le matin, lui était déjà parti. Moi, je rentrais chez moi le soir, il n'était pas encore là. Et donc, j'arrive à l'atelier le matin, il y avait une toile sur laquelle j'ai travaillé depuis 2-3 semaines. Et il y avait un petit papier, un post-it sur la toile, et il était mis dessus, « Ne plus toucher, s'il vous plaît. » Et ce petit, ça a suffi pour que je vois le tableau d'une autre façon, et j'ai dit « Il est fini. » C'était un endroit. Il y avait une galerie dans le boulot de l'avenue Louis. Et c'était une galerie. C'était un peu comme un aquarium, comme ça. La lumière venait du plafond. Et les murs étaient tendus de velours gris. Et c'était tous des tableaux, c'était leur spécialité, c'était les fleurs en vase. Et ma mère, elle voulait développer un milieu artistique et elle m'emmenait vers ça. Et moi, je savais découvrir que si je me mettais tout près, comme ça, quoi, je ne voyais plus les fleurs, mais je voyais de la peinture, tu vois. Et ça, je trouvais formidable. Et après ça, j'ai dû aller chez un ophtalmologue. Parce qu'il était persuadé que j'avais quelque chose aux yeux. Mais moi, c'était pour la peinture et pas ses fleurs.